Il est déjà 7h dans tout studio télévision nationale d'Haïti, DEMA 33. Bonjour Haïti, bonjour, bonsoir le monde. Nous comptons ensemble avec vous jeudi, vendredi, pour capable présenter toutes les informations qui ont dominé l'actualité. Ces derniers sorties pour ce matin, nous souhaitons passer un très bon week-end. Rapidement, mes grands points qui ont dominé l'actualité. Secrétaire général, marché commun caraïbéen, CARICOM, Irina Larocque, rentré dans le pays d'Haïti hier jeudi 22 février. Côté, il doit participer dans la 29e réunion intercession, conférence à chef l'État, à chef gouvernement CARICOM, cap réalisé 26 à 27 février dans la capitale Port-au-Prince. ONG Oxfam en Grande-Bretagne pas autorisé fonctionner dans le pays d'Haïti jusqu'à nouvel ordre. Ce ministère planification à coopération externe qui annonce mesi conservatoire cela contre ONG hier jeudi. Et puis au niveau du Parlement haïtien, commission Kilti à communication dans le Sénat République rencontré hier jeudi 22 février à ministre Kilti à communication Wam, Limon Toussaint et puis directeur général à Kilti ministère Sila, Jean-Michel Lapin. Discussion yo déroulé sous gestion budget qui était disponible pour organisation Carnaval 2018 là. Et puis à l'étranger dans pays États-Unis, professeur yo montré yo gen gros ke cassé devant l'idée Donald Trump gagné pour l'état mettre zam nan men yo soi-disant pour capable combattre insécurité dans l'école yo. C'est grand point ça yo à quelques autres nan gen pour nous capable porter pour dans journal là la petite pause pas déplacer n'a tourner. Nous retournons pour développement information. Merci pour fidélité ou attention à édition nouvelle c'est là. Rapidement, mes développements informations, secrétaire général à marché commun caribéen, CARICOM, Irina Larocque, rentré dans le pays d'Haïti hier jeudi 22 février 2018. La présence à secrétaire général CARICOM, la Pabo Isita, rentré dans le cadre mise en place à Cap Feta, dans l'occasion 29e réunion intercession conférence à chef l'État, avec chef gouvernement CARICOM, Cap réalisé 26 à 27 février dans la capitale haïtienne. Secrétaire général à marché commun caribéen Irina Larocque, Ténamico John Herbica Seyus et RVP l'a dit non plus. Venir aujourd'hui pour préparer pour la grande réunion chez mes prochains. Demain, moi une réunion avec le président Moïse. Pour parler contre toute bagaille contre la réunion là. Et demain aussi, en réunion avec les private sector, les businessmen, pour parler contre CARICOM Single Market and Economy. Ça, c'est un arrangement pour trade, pour faire commerce among tous ces membres CARICOM. So, ça, c'est demain. Pour la grande réunion, les chefs d'État, les premiers ministres de tous les pays CARICOM sont venus dimanche et lundi matin, la réunion a commencé. Puis, il y a pour parler contre climate change, disaster preparedness. Et c'est l'autre bagaille comme ça nous qui parlons comme ça. Le président Moïse c'est le président de CARICOM, il est chef CARICOM pour les prochains 6 mois. Chairman, c'est tous les chefs qui sont venus ici pour joindre, pour parler. Quand c'est ça. Il est ici en membre CARICOM. Trade, commerce, c'est un de ces bagages que nous ne parlons pas. Bagages contre climate change et disaster. Tous les pays caribes, climate change qui a affecté, hurricane, cyclone, qui a marché top. Nous ne parlons pas. Ça nous a fait, et puis on est l'autre. Pour aider l'un et l'autre, laisser ces cyclones venir
Et l'autre disaster, quand earthquake, nous avons parlé contre tout le séparé ça, en Haïti, qui bénéficie de tout ce séparé ça. Nous avons poursuivre avec l'information du ministère de planification à coopération externe annoncé une mise conservatoire contre l'organisation non gouvernementale Oxfam en Grande-Bretagne. Mais il n'a pas autorisé ONG SILA fonctionner en un pays d'Haïti jusqu'à nouvel ordre. On nous suivra un reportage avec Dalina Dorivala et puis Robert Chéri. Ministère planification et coopération externe annoncé officiellement nouvelle décision yo prend contre Oxfam Grande-Bretagne yon mezi conservatoire côté ONG ça pas autorisé pour fonctionner jusqu'à nouvel ordre en dans pays ya. Dans sens ça, ministre planification et coopération externe là, Metaviol Fleurant, reproché ONG Oxfam Grande-Bretagne là, malgré yo au courant des rapports ça, mais pas alerté autorité judiciaire yo. Metaviol Fleurant rappelé ministère a prend toute l'autre mesure pour protéger droit victime yo, intérêt l'état haïtien en population an, et même ONG ça. Selon avocat Oxfam yo, décision ça c'est une décision qui vini trop vite. Mais il ministère planification en coopération externe prend pour suspendre ONG Oxfam Grande-Bretagne en Haïti a vini à cause abi ak exploitation sexuelle quelques employés ONG a commettre dans l'année 2010 et 2011 dans pays a. Rassemblement contre impunité qui regroupait un ensemble association dans société civile là invite population haïtienne dans un matin sensibilisation l'a organisé dimanche 25 sous place constitution en sous chaîne masse pour dire non à corruption. À travers activité ça, association qui bat tête les missions pour capable gommer contre impunité à corruption pas bon ici temps viser sensibiliser population sur impact fléau corruption gagné dans société haïtienne. Rachel Sefort avec Jodani a dit non plus. C'est un rassemblement qui fait après marche 5 décembre contre la corruption qui était organisé par l'association que nous connaissons assez bien, Kounia, le collectif du 4 décembre et ses alliés. Donc Kounia, tout le monde sérieux, toute association sérieuse, est réunie sous un label qui tout indique que son gros rassemblement est lié. Donc c'est plusieurs associations qui le rassemblement ça. Nous t'ai parlé depuis le 5 décembre que ce n'est pas la seule activité qu'on a fait. Nous avons étudié ensemble un programme d'activité qui a particulé à partir de vision commune, vision consensuelle de toute association. Et puis au fur et à mesure, nous avons activité que nous avons réalisé. Deuxième activité après marche là donc, c'est l'activité que nous allons faire dimanche 25 février. Dimanche, c'est à Cancun là, sous place Constitution. C'est pour nous matiner de sensibilisation. Parce que pas seulement. Un sitting, je l'ai habitué à dire là, que nous chitons en place et puis nous avons des pancartes, affiches. Non, on a fait plus que ça. Dans le fond, je vous matine de sensibilisation parce qu'il y a plusieurs monde qui vont intervenir. Différents intervenants vont parler de qui ravage la corruption a fait dans le secteur bio. Et en même temps, nous invitons ensemble d'artistes. Parce que j'en ai dit non, la corruption a traversé toute société. Et en même temps, on pas qu'à nous dans la société, quel que soit côté là. Agir la vie, l'œuvrer, n'a pas capable dit, et bien sentir que la corruption touche. C'est comme ça, il y a des musiciens qui font musique pour dénoncer la question de corruption avec ravage. Il y a des poètes qui font ça tout. Donc nous invitons des artistes qui, en même temps, qui appartiennent à l'intervenant, pour dire comment ils sentent que la corruption a prolongé le secteur par eux-mêmes. Dimanche, donc, nous espérons tout haïtien. Quel que soit le couteau sorti, quel que soit la couleur, quelle que soit la religion, à partir du moment que quelque part au fond de votre cœur, bat le cœur de Dessalines, soyez avec nous dimanche, à partir de 10h du matin, pour nous dire non à la corruption. Membre commission interministérielle qui l'a pour capable supporter marchand victime dit fait marché en fait yo remettre plusieurs chèques 20 000 gourdes by marchand qui t'ai perdu marchandise yo dans difficile là
qui était faite dans la nuit 12 pour l'ouvrir 13 février passé. Dans le cadre de la cérémonie, c'est là qui déroulait dans Primati jeudi 22 février, ma commission a expliqué qu'il a continué à accompagner les marchands de victimes pour être capable de reprendre l'activité commerciale pressée. On nous suivons un reportage avec Seth Kwa Paki et puis Moïse Oudich. Environ 200 marchands bénéficient d'un chèque 20 000 gourdes avec un ticket qui permet de recevoir un kit alimentaire dans la caisse d'assistance sociale. Ces commissions interministérielles chargées pour supporter les marchands victimes du fait marché en fait, qui fait distribution de chèques et ticket sa yo. Pendant qu'ils exprimé, c'est une première assistance pour porter bail marchands victimes. Ministre commerce et industrie Pierre-Marie Dumény et ministre des Affaires sociales et travail Stéphanie Auguste fait connaître un geste symbolique. Yo dit y a continuer à accompagner machin victime yo. En compte journée jeudi hein, li inscrit l'objectif pour nous dire machin yo que nous avons yo, nous t'en décrit yo et n'a pas accompagné yo dans la mesure du possible. C'est ça que fait journée jeudi hein. Suite à la recommandation de la commission qui a deux phases d'intervention, une phase conjoncturelle et une phase structurelle. La phase conjoncturelle qui consistait à bail marchand ou allocation. Nous avons un pile de nous qui porte l'isbanou, côté pour nous qui permet de nous identifier. C'est à travers de l'ISAO, nous regrouper de façon symbolique aujourd'hui pour nous prendre 200 machines. Nous connaissons pas 200 machines qui perdent, mais il y a une équipe souterraine toujours, équipe ministère commerce, équipe ministère conditions féminines, équipe affaires sociales qui n'a marché là actuellement qui prend doléance l'autre machine. Ministre conditions femmes avec droit femme unité innocent mandé machine pour organiser pendant administration Maurice à gouvernement La Fontaine a pris mesures nécessaires pour bailler plus encadrement. Président de la République là te mette sous pied une commission. Elle te dit rapidement, dans les 8 jours, 8 à 9 jours qui suivent, nous prenons une réponse. Parce que journée aujourd'hui, président de la République là, tout membre gouvernement, nous comprenons la douleur marchand. Et moi-même, comme ministre conditions femmes et droits femmes, tout le monde toujours connaît que généralement, marchand qui vend dans le marché. C'est femme yoye. Et nous connaît douleur maman petite. Première dame nan, li voye gros sympathie bay tout machan yo en général, plus particulièrement mesdames yo. Nous di journée jodi an, l'état prend responsabilité et c'est devoir nous pour nous accompagner tout le monde en général, plus particulièrement mesdames yo. Béatrice Joseph, qui te prend la parole dans le nom de marchand victime, remercie le président républicain Jovenel Moïse à travers la commission interministérielle pour assistance aux jeunes après marchandise qui passait en bas flamme du feu dans le marché Hippolyte. Nous accompagnons tous les marchands qui sont victimes dans tout marché qui est victime, yo. Et spécialement le marché Hippolyte. Moi-même, je dis, je m'en demande nous. S'il vous plaît, pas prendre bagaille à légèreté pour nous. Nous commençons bien. Nous faisons un bon travail. Nous solidaires avec ma chaîne. Nous solidaires avec femmes. Nous connaissons les femmes. Voyons qu'on est en côté, femmes à travail. Nous-mêmes, femmes à bouger. Nous tous côtés. Nous avons toutes nous la banque. Nous n'avons pas rien. Nous avons escompte. Nous avons crédit international. Nous n'avons pas besoin de dire nous. Là, nous avons besoin de prêler. Nous avons président pays. Moi, je dis président pays. Sauvez-nous, non. Moi, je dis Stéphanie Auguste. Lui, je dis, la sauvez-nous. Machin, ça y est, fait qu'on est. Malgré le commerce perdu dans le marché en faillant, ça peut décourager, yo, reprendre l'activité, yo, pendant que placer confiance, yo, sur l'autorité concernée, yo. N'après poursuivre avec information, direction départementale à l'Ouest, police nationale d'Haïti, mette bout à hier jeudi 22 février, dans ce mini formation de jolies tapes réalisées pour environ 300 policiers qui fait partie 28e promotion PNH là. Accueil et intégration, c'est sous thème ça. C'est une information ça réalisée pour encadrer jeunes policiers sa yo pour être capable d'exercer fonction yo pi bien.
Participants qui montrent qu'ils sont très satisfaits souhaitent l'initiative s'arriver toucher tout l'autre policier qui était gradué dans la 28e promotion. En nous suivant compte rendu avec Rodney Dolian et puis Frisnel Toussaint. Environ 300 policiers qui font partie de la 28e promotion police nationale d'Haïti pral affecté dans la direction départementale l'Ouest. Participation yo dans séminaire formation ça pral aider yo gen bon jan information sur réalité terrain yon façon pour yo ka travay selon norme institution et puis bay bon jan rendement. Objectif séminaire c'est d'abord pour nous d'aka di encadrer yo nan premier pas que y a fait dans institution et pour nous bay une bonne impression d'institution comme de moun ki recruté qui pour formation alors théorique mais c'est l'occasion pour nous d'abord bay une bonne impression de la police nationale, de la direction départementale, et puis au cap qu'on est, et ensemble de droits, de voix, des informations pratiques, qui, en cadeau, qui gérer la vie, le quotidien du policier, à la fois informations administratives et aussi des informations pratiques, et sous ensemble de problèmes que vous avez gagné, et qui voient les moyens, vous avez à disposition pour capable utiliser, pour que vous capable vraiment de joindre des solutions à des problèmes. L'Ouest, pas même bien tout département, hein, son département côté que nous retrouvons toute autorité de l'État au présent, hein, président, premier ministre, nous avons direction générale, l'inspection générale, et c'est là tout nous avons en pile médias. Donc, nous avons une surexposition médiatique, et c'est côté tout, côté que, en général, qui fait écho à toute revendication sociale. Donc, un policier qui est dans l'Ouest, il fait face à un milieu, et qui pas toujours facile, donc nous t'avons expliqué. Et notamment, nous parlons en pile sous relation notamment avec la presse. Dans l'intervention pour le deuxième jour, séminaire formation ça, Franz Saint-Fort, Jean-Charles, expliquait participants yo, rôle, mission, acte fonction, inspection générale police nationale d'Haïti. Inspecteur général là, t'es profité occasion en tout pour fournir quelques conseils by jeunes policiers ça yo. L'inspection générale, comme dans tout pays, c'est l'organe régulateur de la discipline au sein de l'institution policière dans Capano. Et dans le cadre du séminaire ça, que le directeur départemental de l'Ouest a organisé, hein, et à travers une nouvelle dynamique que l'inspecteur général en chef là, a mis en place dans l'inspection générale, il était instruit tout un panel dirigé par moi-même, Jean-Charles, pour nous venir accompagner DDO dans le cadre séminaire d'accueil et d'intégration à ces nouveaux jeunes que DDO se dit nous là. Pour nous venir faire comprendre les rôles, missions et fonctions de l'inspection générale. Pour nous faire comprendre que contrairement à cette ancienne perception qui laissait croire que l'inspection générale c'était un organe exclusivement de répression, pour nous faire comprendre que comme dans tout lycée, dans toute l'école, faut qu'on s'en saura pour régler discipline, mais dans l'institution panoua, nous avons l'inspection générale là qui règle aspect contrôle et discipline ça. Mais au-delà de aspect contrôle et discipline ça, nous gagnons un rôle tout aussi important qui c'est un rôle de conseil et d'encadrement. Et c'est aspect conseil et encadrement ça, surtout qui mène nous là matin. Wilkins Monker, qui c'est une parmi policiers 28e là, montrer satisfaction pour l'initiative ça pendant les promettre les pral mettre en application tout ça li apprend yo. C'est un séminaire qui est vraiment important pour nous-mêmes donc yo partager donc yo ensemble d'expérience ensemble avec nous et au cours de séminaire là donc yo parler yo miser en pile sur éthique et puis valeur et puis sur la police, surtout la police communautaire donc qui est extrêmement important pour que travail que nous gagnons pour nous pouvoir offrir ensemble avec la population donc pour nous capable plus efficace la donne. D'après le directeur départemental l'Ouest là, Berson Soljou, séminaire formation ça, c'est un premier pas dans toute une série qu'a gain pour faire. Nous prenons connait dans le parlement haïtien sous bicentenaire, mais commission qu'il tire à communication dans Sénat République là rencontré jeudi 22 février, ministre Kilti à communication, ou Limon Toussaint, qui était avec le directeur général du ministère, c'est là Jean-Michel Lapin. Organisation Carnaval 2018 là, t'es dans mi-temps discussion, yo. Président commission, sénateur Gracia Delva, a réclamé un rapport détaillé sur gestion 186 millions de gourdes qui étaient disponibles
pour l'organisation Carnaval Silla. En nous suivant extrait dans le micro Fedner Confident à Théodore Darius. La commission a été rencontrée avec le ministre, avec le secteur général, là, qui est le vice-président du comité Carnaval. Nous avons parlé de budget Carnaval, de tout ça qui a bien pendant tous trois jours, 11, 12, 13 février. Et je dis là, nous rencontrons avec eux encore pour nous parler de budget Carnaval là, et comment la dépense et surtout l'activité logistique là, qui a un peu le monde qui était un peu le problème de Carnaval. Nous disons que nous proposons là vraiment un rapport qui finit. Et nous comptons rencontrer ensemble avec eux pour une nation capable de connaître 186 millions de plans. Comment les dépenser, le contrat qui fait avec Diageo, et tout ça, le contrat qui fait avec le monde qui est responsable, et toute discipline qui doit gagner dans le Carnaval. En fait, c'est dans ça nous passé. Il y a plusieurs sénateurs qui étaient là, qui posaient plusieurs questions. Les Carnavals sont bagages qui sont dans tout pays, et pas de gain discrimination. Lundi Carnaval national, c'est Carnaval national, il faut le faire dans toute commune de pays, il faut le faire dans toute section communale de pays. N'a toujours été dans le même sujet là, puisque le ministre Kilti à communication, li montre ses sous-bopali, promettre avant longtemps l'a gagné pour les capables de remettre, par membre commission Kilti dans le Sénat République là, un rapport avec tout détail sous dépenses 186 millions de gouda qui étaient disponibles pour l'organisation Carnaval 2018 là. Ministre Toussaint fait connaître plus grosse satisfaction, c'est que Carnaval arrive à réaliser ce ministère Silla pas gagné aucun dette. Toujours dans le micro Fedner Confident à Théodore Darius. Comité a doué fourni par le ministère un rapport bien détaillé que nous allons soumettre par le président de la commission pour le transmettre li bay chambre sénat. Nous avons parlé de satisfaction parce que le peuple là t'a défoulé, c'est un moment de défoulement, d'épanouissement que vous avez défoulé dans la sérénité, dans la paix et pas de gain rivé, gain monde qui mourit, zéro mort et puis gros succès Carnaval là, c'est que des concerts avec représentants financiers, responsables financiers, nous te travaillons pour te gagner Carnaval sans dette et nous arriver à objectif premier ça que nous te fixé tête, donc que l'État haïtien te fixé tête li, administration Moïse Lafontaine te fixé tête li et jusqu'à présent nous capable dire nous satisfaits. Nous conscients que il y a certaines erreurs qui arrivent au niveau logistique que nous avons un rapport et que nous prenons des mesures pour ça pas arriver répéter l'année prochaine. Et c'est là qu'on a fait mes chapitres locaux, nous prêts à l'étranger dans le pays États-Unis, puisque le président américain lui-même il était tank face, faut qu'il soit capable de mettre des armes dans les mains, professeur l'école, une façon pour capable couper les actes et sécurité qui a fait dans l'école dans le pays États-Unis. Le président américain Donald Trump a dit qu'il est prêt pour être capable de passer dans la législation américaine pour être capable de garder l'âge plus petit que les gens pour être capable de porter des armes dans les mains. Et on nous pour plus de détails. Donald Trump persiste et signe. Après avoir proposé d'armer les professeurs lors d'une rencontre avec des familles de victimes, il a réitéré sa proposition dans une réunion consacrée à la sécurité des écoles. Pour le président, les choses sont très simples. Si les enseignants sont armés, les tireurs seront alors dissuadés de pénétrer dans l'établissement. Il a par contre lâché la question de l'âge légal d'achat d'une arme. On va faire des solides vérifications. On va travailler sur la possibilité d'augmenter l'âge limite à 21 ans à la place de 18 ans. Nous allons mettre fin aux fusils conventionnels transformés en automatiques et nous allons nous concentrer très sérieusement sur les maladies mentales parce qu'il s'agit là d'un cas de maladie mentale. Un abaissement de l'âge légal, hors de question pour la NRA. Face à la grogne qui monte dans le pays, le lobby des armes à feu, un allié historique de l'ancien mania de l'immobilier, tente de contre-attaquer. Pour eux, il faut encore davantage d'armes dans le pays. Nous devons immédiatement protéger nos écoles. Tous les jours, des enfants sont laissés dans des écoles qui sont grandes ouvertes et qui sont des cibles faciles pour commettre des tueries de masse. Cela ne devrait pas être plus facile de tirer sur une école que sur une banque, une bijouterie ou un gala d'Hollywood.
Une réponse purement sécuritaire à des milliers de lycéens américains qui demandent surtout moins d'armes à feu en circulation. Le tueur de la fusillade de Parkland a pu acquérir un fusil semi-automatique à seulement 19 ans, un âge auquel il n'aurait pas pu acheter une bière. Question armes dans les pays États-Unis, il continue à faire gros débat puisque par rapport à proposition président américain Donald Trump qui prévoit pour le capable mettre les armes dans les professeurs, eh bien professeurs yo même bon côté pas montrer gros qu'est cassé par rapport à l'idée cela, yo pensé c'est pas ça qui a résolu le problème là. Euronews pour plus de détails. Y aura-t-il des armes dans les salles de classe américaines? La proposition de Donald Trump d'armer des enseignants moyennant un bonus pour ceux qui l'accepteraient est loin de faire l'unanimité. Pour le principal syndicat d'enseignants, c'est d'autant moins justifié que des agents armés se trouvaient dans le lycée de Floride où a eu lieu la fusillade meurtrière et ne l'ont pas empêché. Mais le président américain n'en démord pas. Nous devons renforcer nos écoles, pas les affaiblir. Une zone sans armes pour un tueur ou quelqu'un qui veut devenir un tueur, c'est comme la tentation d'une crème glacée. Dans les établissements scolaires, les réunions se multiplient pour rechercher des alternatives. Pour ce responsable de la police du comté d'Arkansas, il n'y a pas de meilleure parade. Je ne dis pas que tous les enseignants doivent être armés, mais je dis que certains enseignants ont la capacité et la compétence pour affronter la violence par la violence. Le premier syndicat d'enseignants est pourtant rétif, sa vice-présidente s'en explique. Armer les professeurs n'est pas une bonne idée. J'ai enseigné les sciences à des élèves de 4e pendant plus de 30 ans. Et je ne peux pas imaginer avoir la responsabilité de porter une arme à feu. Ce que le président et d'autres décrivent me fait plutôt penser à une prison. Au pays du deuxième amendement, ces images de lycéens rescapés ne suffiront donc pas à imposer le tous armés. Plus que jamais, ce sont deux Amériques qui se font face. Elle est déjà 7h30 dans tout studio de Télévision nationale d'Haïti. Il arrive un moment pour nous capables d'aller. Mais avant de nous dire bye-bye, permettre que nous rappeler au grand point qui dominait l'actualité. Secrétaire général à marché commun caraïbéen, CARICOM, Erwin Larocque, dans le pays d'Haïti depuis hier jeudi 22 février, côté l'idée de participer dans la 29e réunion intercession conférence à chef d'État et chef gouvernement CARICOM qui a réalisé 26 et 27 février dans la capitale haïtienne. ONG Oxfam en Grande-Bretagne pas autorisé fonctionner dans le pays d'Haïti jusqu'à nouvel ordre. Ministre de planification et coopération externe annoncé mise conservatoire si la contre ONG ça hier jeudi. Et puis membre commission qui ti à communication dans Sénat République là chita parlé hier jeudi 22 février avec ministre qui ti à communication Limon Toussaint qui te gain ensemble avec le directeur général qui le ministère si là Jean-Michel Lapin discussion te chita sous gestion budget qui était disponible pour organisation carnaval 2018 là. Et puis à l'étranger dans pays États-Unis professeur yo montré gros kekase yo devant l'idée Donald Trump gagner pour les capable mettre examen nan men professeur sa yo soi-disant pour les capable combattre affaires insécurité dans l'école américaine. Yo. Nous te content ensemble avec vous pour être capable d'informer vous, rester seulement pour capable souhaiter vous passer un très bon week-end, un très bon vendredi surtout, soit pour votre mère, pas boire alcool pour devoir conduire pour que lundi matin, mal matin, vous capable rejoindre nous devant la télévision pour capable on l'autre édition nouvelle. À lundi, bye bye.